Je voulais faire cette petite vidéo en complément de la vidéo que je voulais faire sur l'habit niveau 7 de l'armée américaine, celui que j'ai actuellement sur le dos. Donc, actuellement, il fait moins 29 avec un ressenti de moins 42. Donc, j'ai simplement sur moi ce que vous voyez, le balaclava, la tuque, et en dessous, j'ai un niveau 1, level 1. Et j'ai bien sûr mon level 7, sac de patrouille et mon sac de taille habituel. Et je vous avoue que j'ai connu des froids beaucoup plus intenses que celui-ci, par exemple au Yukon. Mais la différence au Yukon, c'est que les froids sont secs. Tandis qu'ici, à Québec, les froids sont bien sûr humides. Donc ça transperce très rapidement. Mais pour l'instant, c'est un test. Je suis relativement statique. Je marche un peu. Et je vous avoue une chose, j'ai mes moclottes, bien sûr. Et pour l'instant, depuis le temps que je suis sorti, disons une heure, je suis en légère surchauffe. Donc, il faut que j'atténue pour mieux ventiler, parce qu'évidemment, l'humidité dans ces conditions, ça peut être mortel. Mais je vous avoue, comme je vous dis, que dans ma situation actuelle, je suis en légère surchauffe, malgré la température. C'est pour vous dire l'efficacité du niveau 7. Enfin bref, je ne veux pas brûler trop mes batteries avec ce froid-là. On se reparle plus tard. Bye bye. Et un petit complément aujourd'hui. On était évidemment en déneigement. Donc, les arbres craquent, c'est incroyable. Et j'ai travaillé 10-11 heures à des températures entre moins 20 jusqu'à moins 40 ressentis. Zéro problème, bien sûr. C'est sûr que j'ai de l'expérience, évidemment, dans l'armée ou ailleurs avec ces bottes, mais pour ceux qui doutent toujours que les mocloques, ça ne fonctionne pas, oui, ça fonctionne très bien. On a encore un vent intéressant. Et on ressent la température va descendre encore. Je crois que ça va descendre encore à moins 31. Je crois que ça va frapper dans les moins 45, peut-être même moins 50. Pour l'instant, comme je vous dis, je ressens absolument rien. Je suis très au chaud actuellement. Donc, on va mettre fin à cette petite balade. Et on va aller faire un petit montage rapide pour vous partager ça. Donc, bonne soirée à tout le monde!